Alors voilà, le petit mur qui a moins de verdure, il sera un peu plus propre maintenant, puisque j'ai dégagé pas mal de verdure. Et puis, comme je disais là-haut, là, avant, le châtaignier bouchait tout ça. Donc, j'ai fait une ouverture. Il y a encore tout ça à dégommer. Tout ce qui est là, et tout ce qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Et il y a un arbre là qu'on voit. Il y a des planches à dégommer. Il y a un autre derrière qu'on voit à peine qui n'est pas gros à dégommer aussi. Donc on va éclaircir tout ça. Voilà. Pour que la lumière rentre dans le potager. Donc voilà, en haut. Hein. La lumière rentre. On voit déjà mieux le terrain. Et ici, ce que j'avais fait, c'est quoi? Il y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai balancé des tas de végétaux. Et c'est déjà en train de travailler, ça s'est tassé, 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 tassé. Et ça va finir par nourrir le sol, faire du terreau, nickel, impeccable. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va pas faire contre le transfo, mais on va le faire ici. Parce qu'en faisant ce truc, on empêche les ronces de venir. D'ailleurs, ça les fout en l'air, ça nettoie le terrain, et ça le met propre, comme ça. Donc j'ai tout balancé en hauteur. J'ai pas fini, hein. Je vais en mettre d'autres. Là je vais essayer de déboussailler, on verra. Et puis voilà voilà. Plus propre déjà par terre. Et le tas de bois pour faire des poteaux, tout ce qu'on veut. Pour faire des haies sèches. C'est nickel, impeccable. On va voir l'autre côté parce que j'ai commencé à faire la haie sèche justement. À ma manière, ah ouais, on voit pas bien. On voit pas bien. Si on voit qu'il y a que c'est droit et c'est régulier, bon voilà, la SH c'est ça. C'est ce qui donne côté route. C'est droit, c'est régulier, c'est propre et c'est vachement renforcé à l'intérieur. J'ai fait ça dans l'éventualité où je mettrais un mouton là-dedans. Voilà. Et donc ce que j'ai fait là, il faut que je fasse tout le long du chemin. À peu près un peu avant le virage là-bas. Donc il y a du maillard. Hein. J'ai nettoyé un peu le transformateur aussi. C'est pas moi de faire, mais bon. Pour que le lierre ne fasse pas plus de dégâts. Voilà, voilà. Donc on va se quitter sur l'entrée du terrain. Et on se dit à la prochaine.